Nous sommes mercredi, donc hier on a fait la sortie dans le brouillard et c'était le bazar, on était obligé de revenir à La Rochelle. Du coup, aujourd'hui, quand on se lève, voilà le temps qu'on découvre. Et ça là, c'est pas top. Alors la météo dit juste nuageux, couvert. Je suis allé voir sur la plage, on a de la visibilité, on récupère un peu plus de visibilité. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à. On va aller au Sable d'Olonne. Pour bouger un peu quand même. Bon, ben là on quitte La Rochelle pour de vrai. Enfin pour de vrai. Pour cette fois-ci. La sortie c'est par là. Et les tours qu'on allait voir. Là-bas, il y a peut-être des pêcheurs qui sont en route. Donc, par rapport à ce matin, le temps se lève un peu. Et on a eu raison de le faire. Allez, on finit de préparer le bateau. Il y a quelques bateaux en mer. Il y a des gros cargos, on va essayer de les éviter. Ben, la situation, elle est un peu mieux que ce que j'avais estimé en me levant. Bon, c'est brumeux, certes, mais je vois du bleu juste derrière le gris, donc ça doit être bien. On voit les énormes tankers dans lesquels je suis allé me paumer hier. Donc, comme on les voit, ça veut dire qu'il y a moins de brouillard. Oh, j'ai une belle voile blanche qui ressort là-bas. Quelques déferlantes. Le phare du bout du monde. Petit coup de soleil sur des bouts de carrière là-bas. Bon, ce qu'on va faire comme route, c'est qu'on va passer sous le pont de l'île de Ré. On va prendre le Pertuis d'Antioche. Ou Breton d'ailleurs. Breton plutôt, je crois. Et on va remonter le long de l'île de Ré. Je vais essayer d'aller voir le phare des baleines d'assez près. Et ensuite, on piquera vers les sables d'Olonne. Par contre, j'ai pas l'air d'avoir des masses de vent. Et j'ai beau l'avoir fait des quelques fois, des tonnes, un peu exagéré. Mais quelques fois, qu'est-ce que ça m'impressionne quand même. Donc on a le pont de l'île de Ré. Avec pas mal de trafic dessus d'ailleurs. Et alors, exceptionnellement, aujourd'hui, tout le monde a l'air de passer où il faut. Incroyable! Port industriel. Pas trop trop de copains quand même. Ben honnêtement, plutôt bien, non? Je trouve que la journée se déroule mieux que ce qui était prévu ce matin. Enfin, on est toujours le matin, tu me diras. Parce que quand même, ça partait un peu chaud. Et finalement, voilà. Ça va tout bien. Donc là, on retrouve Saint-Martin avec la citadelle et toutes les constructions de Vauban. Vache, tu peux nul. Comme on dit, une main pour le bateau, une main pour moi, d'accord. Mais pour la caméra, alors, il manque une main. Saint-Martin. Voilà. Donc là, Flo et Adèle, je pense bien à vous, on était ensemble. Cécile et Dorine, c'était
c'était pendant les vacances de l'été dernier. On y retournera sûrement cet été. Donc là, on reconnaît bien tout, hein, la citadelle avec la tour de l'église. Toutes les fortifications Vauban. On voit l'hôtel des cadets, on voit la prison. Et on voit toute la filade donc de l'île de Ré qui continue. Je voudrais essayer de me rapprocher de par là-bas, parce que par là-bas c'est le Fier d'Ars, où on peut accéder a priori que pendant les hautes marées. Je vais essayer de voir si je peux m'y approcher un peu juste pour regarder quoi. Allez. Qu'est-ce qui se passe ? Bah rien. Et voilà, alors bon, j'ai réussi à éviter tous les skidos là. Voilà. Arrivé sur les Sables d'Olonne. Et là, bien évidemment, l'entrée du mythique Chenal. C'est deux, trois fois que je suis ici quand même. Moi, à chaque fois, ça me le fait. Ah, c'est trop. Allez, vite fait avec la capitainerie maintenant. Faut que je prépare le bateau.